heures. Séjour du président Macky Sall en Espagne. Le palais royal déroule le tapis rouge pour le chef de l'État. Il est invité à déjeuner par le roi Philippe VI. Autour d'un repas copieux, les deux hommes s'engagent à redynamiser la coopération bilatérale entre Dakar et Madrid. Lancement des travaux de reconstruction de la route Kaolack-Fatick. Le coup d'envoi est donné par le Premier ministre. Le début d'un vaste chantier pour le développement du centre. Les populations saluent l'acte, l'initiative du gouvernement à améliorer les conditions de vie des populations de la zone. En détail, Claire Diop. Lancement des travaux de construction de la route Kaolack-Fatick, la nouvelle a réjoui les voyageurs et autres conducteurs qui passent par ici très souvent. Le tronçon est seulement long de 45 km et pourtant il faut mettre 1h30 ou 2h pour rallier les deux régions. À cause de l'état de délabrement très avancé de la route, à cela s'ajoutent les risques d'accidents et autres désagréments que cela cause. La route est très mauvaise et les personnes sont fatiguées, les voitures sont gâtées. Vraiment, tout le monde veut que l'État réhabilite cette route. On prie beaucoup pour que cela commence et se termine dans la paix. L'état de délabrement très avancé de cette route n'est pas bon pour les voitures et même pour la santé des usagers. Et c'est les clients même qui se plaignent et nous disent d'aller en grève parce que c'est très difficile pour tout le monde. Nos voitures ne sont plus en bon état. Les lames lâchent, les pneus idem. Les voitures tombent souvent et provoquent des accidents graves. Nous voulons de bonnes routes pour que nos voitures durent plus longtemps. Une aubaine pour ses usagers, le facteur est déterminant dans la circulation des personnes et des biens. Dans cette partie du pays, cet investissement de l'État du Sénégal est stratégique et favorable à une meilleure exploitation des potentialités. Et paix, sécurité en Afrique, l'impératif de la synergie d'action pour la stabilité du continent, la crise africaine passée en revue, décryptage, analyse et solutions. L'Afrique veut prendre désormais en main sa propre destinée. Les participants réagissent, vous les entendrez tout à l'heure. À l'étranger, recueillement à Sydney après la fin de la prise d'otages et la mort de 3 personnes, dont 2 otages. La tragédie a soulevé une vague d'émotions. Le Premier ministre et le peuple australien a touché profondément. Unis dans la douleur, comme ces jeunes, ils ont été des milliers d'Australiens à venir rendre un dernier hommage aux victimes de la prise d'otages. Des bouquets de fleurs par centaines ont été déposés non loin du café où s'est déroulé le drame. Des anonymes, mais également le Premier ministre Tony Abbott et son épouse sont venus se recueillir et écrire quelques mots d'adieu. Dans tout le pays, les drapeaux ont été mis en berne. Un jour à peine après l'attaque, beaucoup d'Australiens sont encore sous le choc. Ils sont restés unis durant tout ce temps passé dans la peur. Nous sommes tellement tristes pour eux, j'ai le cœur brisé. C'est terrible. Je pense que c'est le premier assaut que nous avons eu ici, ou la première attaque terroriste en Australie. Je me sens mal pour les victimes, évidemment. Tout ça, ça arrive au Moyen-Orient, normalement. Nous, nous avons été épargnés. Et c'est terrible que ce genre de choses nous touche, nous aussi, maintenant. Un service religieux a également été organisé à la cathédrale Sainte-Marie, juste à côté du lieu du drame. Les deux victimes de la prise d'otage ont été saluées comme des héros, prêts à se sacrifier pour sauver ceux avec qui ils ont vécu leurs dernières heures. Tori Johnson, 34 ans, gérant du café, et Katrina Dawson, avocate de 38 ans et mère de 3 enfants, sont morts au moment où la police d'élite donnait l'assaut. L'enquête devra déterminer dans quelles circonstances ils ont tous deux été tués. Signalé pour finir ce massacre au Pakistan dans une école par des talibans. Selon dernier bilan toujours provisoire, l'attaque a fait au moins 100 morts, en majorité des écoliers et de nombreux blessés. Nous y reviendrons tout à l'heure dans l'édition de 13h. Je vous laisse en compagnie de votre magazine Diek Akkerum. A tout de suite.